premier album, ça doit être un album d'un groupe qui s'appelle Passion Fodder dans les années 80, dont le leader s'appelait, parce que Passion Fodder n'existe plus, mais lui chante encore Théo Acola. C'était mes premiers amours sur la musique de groupe, sur le rock, et puis très vite le Velvet Underground par exemple. J'ai appris une première chose par rapport au fait de faire de la musique, c'était on peut faire beaucoup de bruit d'un côté, puis la chanson d'après être d'une infinie douceur, et voilà, et tout, on est crédible dans les deux cas. Voilà, il fallait pas forcément faire beaucoup de bruit pour être crédible et être tout doux ne voulait pas dire qu'on avait rien à dire. Il y avait cette idée-là et voilà. Donc ça m'a aidé entre Passion Fodder et l'album premier album du Velvet Underground. J'ai 10 ans, Souchon. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire, je vois souvent. Brel, voir un ami pleurer. Sur le dernier, Marquise. Bien sûr, le temps qui va trop vite. C'est tellement, tellement ciselé, tellement rock, tellement incarné, tellement jeté, en même temps amené sur un plateau. Enfin, tout à la fois, c'est tout à la fois. Le Portugal de Man. Un ancien On the Road Again de Willie Nelson. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Il y en a plein. Celui de Slash chez Michael Jackson est pas mal du tout. Voilà. Et les Clash, il y en a des très très bien aussi, pardon. Bon, mais ça va être mon émission Alain Souchon, hein, et je vais dire, c'est déjà ça. C'est un album où il y a Full Sentimental, entre autres, et ce magnifique titre qui termine son album, qui s'appelle C'est déjà ça. Oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Ce qui est essentiel dans un disque, quand on fait de la musique, c'est qu'il vous donne envie d'en faire. Moi, je trouve que voilà, comme on parle de choses... comment dire ça, ce qui est le plus beau dans la vie, c'est quand quelqu'un vous donne envie de faire quelque chose, pas, évidemment pas la même chose. Andrea Laszlo De Simone, c'est un Italien, magnifique. Ça s'appelle Immancetta, c'est un album, c'est un EP comme on dit, c'est les histoires. Tutta la realtà è immensità, come il sogno poi.